et je ne pouvais imaginer une fête de Noël sans sapin. Et donc, parce que c'est un symbole, je dirais, de la tradition que nous avons en France. Et l'autre point important, c'est qu'il fallait faire un sapin qui puisse correspondre à son temps. Correspondre à son temps, c'est qu'il soit à la fois solidaire et à la fois écologique. Solidaire, puisque ici, c'est l'espace Sésame de la sauvegarde qui a conçu donc des créateurs avec une dizaine de jeunes. Et puis écologique, parce que nous sommes ici sur des matériaux recyclés, des tissus recyclés. Je trouvais que l'assemblage était pour nous la bonne représentation de ce qu'on attend à Noël. Il est très beau, il a beaucoup de goût, très beau, et les couleurs même. Les couleurs, j'aime ces couleurs. Pour cette fête de Noël, je vous souhaite de très belles fêtes et je vous retrouverai l'année prochaine pour présenter mes vœux.